Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des durées pour les formations en ligne. Quelles sont les meilleures durées pour les formations en ligne? Alors, évidemment, il n'y a pas de règle, si ce n'est que l'on sait que l'attention baisse de plus en plus pour tout ce qui est formation, lecture, visionnage, etc., etc. Et c'est vrai donc pour les formations en ligne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'attention et la concentration, notamment des élèves, a tendance à baisser au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc, en sachant ça, quand on est formateur en ligne, il est important de pouvoir tenir compte de ce critère. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire ses formations, mais il faut réduire les séances de formation. Donc, pour rappel, quand on fait une séquence pédagogique, on construit un scénario pédagogique pour une formation, elle va intégrer des séances de formation. Et ces séances de formation, elles pourront concerner un cours entier, mais essentiellement un chapitre, par exemple. Eh bien, à partir de là, il va être peut-être judicieux de considérer que une vidéo, qui est un cours de formation ou un chapitre, à ce moment-là, va durer entre 15 et 20 minutes. Bon, 10 minutes, honnêtement, bon, c'est quand même un peu court, faut pas non plus exagérer. Vous n'allez pas faire non plus 50 ou 100 cours pour une formation de quelques heures, mais au moins de rester sur des périodes assez courtes. Alors, je dis ça en même temps, moi, ça m'arrive d'en faire de 30 minutes. Mais après, tout dépendra du public concerné. C'est-à-dire que si vous avez un public de gens qui ont de l'expérience, qui ont des profils à s'élever, entre guillemets, au niveau professionnel. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'avoir un niveau de concentration assez élevé. Ce sont des gens qui sont habitués à lire des documents, voire à lire des livres, etc., etc. Enfin, moi, je sais que personnellement, dans mon travail à l'époque, quand je travaillais dans une grosse boîte, bon, je lisais des documents, je suis passé des fois 3-4 heures à lire des documents, à les analyser, à les décortiquer, etc., etc. Donc en fait, après, c'est aussi un exercice de style, d'accord? Parce que plus on lit, plus on travaille sa concentration, et plus on l'augmente, et plus on est habitué après à être concentré sur des périodes longues. Mais ça dépendra du public auquel vous vous adressez. Donc au départ, je pense qu'il est quand même conseillé de partir sur des périodes de 20 minutes, une demi-heure maximum. Et à partir de cette durée-là, proposer des exercices. Par exemple, ça permet de changer de rythme pédagogique pour l'apprenant. Donc là, vous l'invitez à, par exemple, à télécharger un document Word, à répondre à un QCM, etc., etc. Ou alors, vous basculez sur une autre méthode interrogative ou démonstrative. Vous changez le rythme pédagogique pour garder l'attention. Mais dans tous les cas, quand on est formateur en ligne, on propose ses formations donc sur une plateforme de formation. Et le stagiaire, quand il est inscrit, ça veut dire qu'il vous a acheté votre formation, il reçoit les formations au fur et à mesure. À ce moment-là, c'est là où vous pouvez vous déterminer ces durées de 20 à 30 minutes et décider que vous allez envoyer les cours tous les jours ou tous les 2 jours sur ces formats. Ça lui permettra de garder donc une bonne concentration et de rester motivé pour pouvoir avoir envie de suivre la formation suivante, tout simplement. Mais voilà pour les durées. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de rien n'est gravé dans le marbre, mais ça reste quand même des conseils que je vous donne. De toute façon, il n'y a qu'à voir la durée des vidéos sur YouTube, hein. La moyenne des vidéos et la moyenne des durées, c'est 10, 15 minutes, hein, 20 minutes. En fait, si vous voulez, il y a deux durées qui sont vraiment performantes. Excusez-moi, la lumière vient de hop, donc je vais hop. Voilà, donc en fait, il y a deux durées de vidéos qui apparaissent hein, comme étant regardées. C'est soit les vidéos courtes de 10-15 minutes, soit les vidéos longues de conférences ou d'interviews, parce que ça correspond justement à deux publics différents, avec des attentes différentes. Donc quelqu'un qui cherche du court, il va regarder des vidéos courtes, et ceux qui en revanche sont intéressés par des sujets qui sont traités plus en profondeur, auront tendance à regarder des vidéos longues. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les durées, mais je conseille voilà
quand même de faire des formats de 20 à 30 minutes et après de changer de mode d'enseignement, c'est-à-dire de proposer, enfin pas de mode d'enseignement, mais proposer d'autres méthodes, c'est-à-dire passer en exercice, donc en méthode active ou en méthode démonstrative. Vous voyez, l'idéal, c'est de. L'idée, si vous avez une formation, par exemple, vous proposez une partie théorique sur 20 minutes, après vous proposez un exercice pour vérifier que les infos, les connaissances ont bien été retenues, vous basculez sur une méthode démonstrative, puis vous revenez sur une méthode expositive sur la troisième formation et une méthode interrogative, par exemple, sur la quatrième séance quoi, de formation. Vous essayez de changer les rythmes comme ça pour casser la monotonie des formations. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour être informé donc des nouvelles et prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.